Je sais aussi que mon gars, son usine ne se lève pas trop vite. Godness! C'est quoi? C'est de la sauvagerie! Quoi? Hey! Si les hommes sont d'abord faibles sur le côté là. Moi-même avec moi-même, s'il ne veut pas, ça ne se lève pas. J'ai des familles. Allez, ouais. Maman, allez! Hey, n'est-ce pas? Tout peut se passer là-bas. On ne fait pas confiance aux hommes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Akali Fouchon, ma chérie, s'il te plaît. Hey! C'est vrai, les gens s'y m'amusent. Elle a dit un mot là que maman. T'as dit quand elle regarde parfois, je ne peux pas vous respecter. Tu préfères quoi, n'est-ce pas? Entre que ton gars dorme au chaud chez son ex ou alors qu'il dorme dehors à moins 10 degrés, tu préfères quoi? J'ai dit moins 10 degrés, c'est comme le congélateur. Non, va dormir chez ton ex. Ah! Et qui est? Il reste dehors à moins 10 degrés. Hey. Ah! Toi aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Ah! Mieux que dehors. Hey! Pourquoi? Qu'il a dormi chez son ex. Ah bon? Bah, elle peut encore le reconquérir. Quoi. Ah! Ah ah! Mais t'es dehors, Dio. C'est la fille de quelqu'un. Mais moi, les gens, ils m'amusent. Salut tout le monde, c'est encore Letty et bienvenue dans C'est Free. Avant de commencer, j'aimerais saluer ma petite communauté de la diaspora aux États-Unis. Je ne vous oublie pas, alors je vous fais un petit coucou. Salut, c'est Letty de la part de C'est Free. Voilà, les gars, la question d'aujourd'hui, c'est une question très intéressante. J'ai demandé aux filles ce qu'elles préféraient entre vous laisser, vous les gars là, vous laisser soit dormir chez vos ex au chaud ou dormir dehors à moins 10 degrés. Je vous assure, les réponses vont vous surprendre. Et oui, pour les petits curieux, je donnerai ma réponse à la fin comme d'habitude. Mais comme d'habitude, avant de commencer tout commencer, abonnez-vous. Faites-moi péter ce putain de compteur. Donc faites-moi sauter ce compteur, c'est ça qui est important. Abonnez-vous, partagez, likez et n'oubliez pas de me faire un petit coucou en commentaire. Salut, c'est Letty. Salut. Salut. Comment t'appelles ma chérie? Nadia. Nadia, moi c'est Free et moi c'est Letty, pardon, et bienvenue dans C'est Free. Nadia, est-ce que tu es Free? Oui. Que préfères-tu entre que ton gars, n'est-ce pas? Ton gars là, il dort au chaud, dans la maison, chez son ex, ou alors qu'il dorme au moins 10 degrés dehors. Tu préfères quoi? Qu'il dort au moins dehors. Quelle déception du jour! Hey! Pour une méchante comme ça là, c'est l'enfant de quelqu'un, pourquoi? Non, il veut pas qu'il dort sur son ex. Et tu as peur de quoi? Non, il perd beaucoup de choses. Non, il faut détailler, dans le temps. Il a peur que son ex soit encore réveillé avec lui. Non, je suis pas d'accord. Ah bon? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et tu n'as pas confiance en toi? Non. Ah bon? Mais attends, tourne un peu pour qu'on voit à quoi tu ressembles. Peut-être. Ah, Dieu! Vous avez vu le matos. Elle dit qu'elle n'a pas confiance en elle. Ah, Nadia, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Parce que. Non, faut dire. Rime, mais il n'y a pas de. Il faut dire. Ah, parce que mon ex. Ah, tu as peur qu'il retourne son ex? Ah oui, j'ai peur, oui. Entre que, n'est-ce pas? Tu préfères quoi? Entre que ton homme passe la nuit chez son ex au chaud. Tu vois un peu de quoi je parle? Au chaud, au chaud, au chaud. Tu comprends, non? Oui, oui. Et qu'il reste là dehors à moins 10 degrés. Moins 10 degrés, hein? Tu préfères quoi? Qu'il reste dehors à moins 10 degrés. Si c'est l'enfant de quelqu'un. Ah. Et ça fait quoi? Ah. Oui, il veut pas être avec moi, il va filer chez son ex. Ah bon? Bien sûr, ça se fait pas. Ah. Ouais. Pourquoi tu as peur? Mais pourquoi tu as peur même? Bah, tout peut se passer là-bas. On fait pas confiance aux hommes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Akali Fouchon, ma chérie, s'il te plaît. Hey! Vraiment, les gens, ils m'amusent. Ouais. Elle a dit un mot là que maman. T'as dit quoi? C'est Akali Fouchon, un pied dedans, un pied dehors. Hey! Maman, j'ai les frissons dans le corps, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais tu es sûr que si c'est. J'espère que si tu sais que tu es. Si c'est toi-même, il va aussi dire comme ça, on va pas te déranger. Non, pas du tout. Pas du tout. Mmh. Ah bon? Bien sûr, s'il fait la même chose, ça va pas me déranger. Ah! Le tout, c'est l'entente et le dialogue. Ok. Attache, j'ai une petite question pour toi, dis-moi. Tu préfères quoi entre que ton mec dorme chez ton mec. Chez son ex, pardon. Ton mec, il dort chez son ex. Ou alors, il dorme dehors, devant ta porte, à moins 10 degrés. Non, va dormir chez ton ex. Ah! Et qui est?
Attends, Natacha, installons-nous bien, installons-nous bien. Tu dis que quoi? Non, il préfère. Préfère quoi? Qui dorme chez son ex. Hey. Parce que déjà, à moins de 10 degrés, c'est pas bon. Natacha, tu es une bonne fille. Hein? Mais tu sais que s'il dorme, il dort chez son ex, là, il peut recommencer. Non, et je sais aussi que mon gars, son usine ne s'élève pas trop vite. Godness! C'est quoi? C'est de la sauvagerie. Quoi? Hey. On est arrivé là-bas, n'est-ce pas? Et comment tu le sais? Tcha. Ouais, parce que parfois, même avec moi-même, s'il ne veut pas, ça ne s'élève pas. J'ai des familles. Hey, maman, les. Hey. N'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui te fait dire que la fille-là ne connaît pas ses consensus, vu que c'est son ex? Ah, je sais pas. C'est que s'il a quitté, c'est parce qu'il n'avait plus rien à faire avec elle. Bon, c'est un peu ça. Et si c'est la fille qui l'a quitté? C'est vrai. Ah, yo. Là, c'est grave. C'est grave, hein? Mais en même temps, si c'est la fille qui lui a quitté et qu'il ne fait plus signer à la fille, ça veut dire que lui-même, il a pu oublier cette fille. C'est ça, non? On dirait que tu ne connais pas les gars d'aujourd'hui. Tu sais que... Non, j'ai un peu confiance. C'est vrai qu'il n'est pas confiance. Il n'est pas confiance totalement, mais j'ai un peu confiance. Tu préfères quoi, n'est-ce pas? Entre que ton gars dorme au chaud chez son ex ou alors qu'il dorme dehors à moins 10 degrés, tu préfères quoi? J'ai dit moins 10 degrés, c'est comme le congélateur. Mieux dehors. Hey! Pourquoi? Pourquoi dormir chez son ex? Ah bon? Tu as peur de quoi? De quoi tu as peur? Bon, je sais pas, elle peut encore le reconquérir. Ah ah, c'est de ça que tu as peur. Bon, attends, tu n'as pas confiance en toi alors? C'est parce que ton gars t'a montré des signes. On n'a plus confiance aux garçons. Hey, pourquoi tu n'as plus confiance aux garçons? Juste comme ça, non. Les garçons, genre, ils sont plus. On n'a plus avoir confiance aux garçons d'ici dehors. Ok, mais j'espère que si lui, on lui pose la question, il répond la même chose. Ça va pas te fâcher, ça? Non, ça va me fâcher. Ah bon? Ok, comment on t'appelle? Paola. Ok, Paola, bienvenue dans ces frais. Moi, c'est Letty. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que t'as pas? Ok, Paola, dis-moi, tu préfères quoi? Entre que ton mec, n'est-ce pas, ton vrai gars là, il va chez son ex dormir au chaud, quand je dis au chaud, c'est vraiment au chaud là, ou qu'il dorme dehors à moins 10 degrés? Moins 10 degrés, c'est le congélateur, donc déjà il fait froid à fond là. Non, je préfère qu'il aille dormir chez son ex. Ah bon? Ah, donc t'es ma copine alors? Ouais. Et tu n'as pas peur qu'arriver là-bas, ils reprennent les choses en cours, les choses qu'ils ont laissées avant? Non, mais là, c'est déjà une question de confiance. Ah bon? Bien. Et donc, t'as confiance en ton mec? Tellement même. Ah ouais? T'as pas peur que, genre, imaginons la situation, t'as pas peur qu'ils reprennent là-bas? Il n'y a pas de souci. Ah bon? Mm-hmm. Donc, tu peux faire la polyandrie, tu peux faire la polyandrie avec vous deux? Même pas question de ça, mais bon, je vais me dire que si, bon, comment on dit, les hommes sont d'abord faibles sur le côté là. Ouais, ça peut arriver. Honnête, je n'exclus pas ce fait, mais quand même, je ne vais pas le laisser rester. Je ne sais pas. Je ne vais pas le laisser mourir de froid parce que, bon, je ne sais pas, ma jalousie ou entre. Non, c'est pas de l'amour, quoi. Oh, franchement, ce souci de l'enfant, des enfants, des gens. Non, c'est vraiment très gentil. Tu préférerais quoi, n'est-ce pas? Entre que ta meuf, ta vraie meuf, là, elle go dormir chez son ex au chaud, n'est-ce pas? Oui. Que de dormir dehors à moins 10 degrés, tu préfères quoi? Mais t'es dehors, dehors. C'est la fille de quelqu'un, hein? Bon, c'est la fille de quelqu'un, moi, je n'aimerais pas que... Mais c'est ma chose. Pourquoi elle va aller quelque part? Non, Beta, il faut faire que... Beta, elle n'est pas dehors. Ah bon? Ouais, il faut faire. Mais attends, dis-moi, tu as peur de quoi, même, en fait? Non, peur pourquoi? Elle peut parce qu'elle peut tomber dans... Elle peut tomber dans un coin, peut-être qu'elle arrive et moi, elle reste. Elle dit quand elle regarde parfois, je ne peux pas vous respecter. Non, quoi, ça veut dire quoi? Faut dire les choses clairement. Non, elle peut arriver chez un gars, peut-être que le gars est plus compréhensif. Donc, je sais pas, il est plus flat. Le gars flatte au type mieux que moi. Ah bon? C'est ça, bah, les filles, quand on les flatte, peut-être qu'il peut trouver quelqu'un mieux que moi. Et Beta, au moins, il peut faire long que Beta reste dans le foie. Mais ce qu'elle est là-bas, ça peut se congeler tant dehors, non? Tu ris? Bien sûr. Ça peut se congeler. Donc, quand tu entres, tu ne ressens plus rien. Ouais, je ne ressens plus rien. Donc, tu as peur que de ne rien ressentir, tu as peur que quelqu'un aille chauffer, c'est ça? C'est mieux, c'est ma part, c'est ne mélange pas avec, on ne partage pas. Ok, merci à Diana d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment très gentil. Merci. Merci à Paola d'avoir répondu à ma question, c'était vraiment très gentil. Alors, merci au cerveau. Merci. Bon.
Merci à Ange d'avoir répondu à mes questions, c'était vraiment très gentil. Merci. Merci. Ok, merci à Natacha d'avoir répondu à mes questions, c'était vraiment très gentil. Ok, d'accord. Merci à Pauline d'avoir répondu à mes questions, c'était vraiment très gentil. De rien, c'était ça avec ton plaisir. Merci. C'est le moment pour moi de donner ma réponse. Si entre laisser mon gars aller dormir au chaud chez son ex ou alors le laisser dormir à moins de 10 degrés, je vais vous surprendre et bien le laisser aller dormir chez son ex. Parce que j'ai confiance en moi. Et il sait que si tente, c'est le mort subit. Mort subit. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Parce que même s'il le fait, il veut connaître. Je veux connaître, je me connais. J'ai le radar. Je dis que j'ai le radar. Je sais quand. Quand il veut te poser la question de tu as fait ou tu n'as pas fait. Si tu me manques, je veux savoir. Je veux savoir, il n'a pas peur. C'est Letty de ce prix. Oui, c'est moi. Hey Letty. C'est comment Letty? Ah, ça va. C'est toi qui as fait une vidéo. Ah oui, c'est quoi? La question d'aujourd'hui. Ah, ouais. J'ai demandé aux filles c'est quelle préférence laisser leur gars aller dormir chez leur ex ou alors dormir dehors à moins 10 degrés. Les filles là, elles sont méchantes. Elles disent que les enfants ne dorment dehors. Mais t'es chou. Non, comment? Elles te disent. Elles ne doivent pas dormir dehors. Comment? Toi aussi les enfants méchants. Non, elles ne dorment pas dehors. Hey, les gars, vous le connaissez non? Ah, je sais pas, peut-être que vous. Comment ça? Vous ne connaissez pas Getaidi? Getaidi de Getenvi, les gars. Mais les filles, faut qu'on fasse un feed là. Comment? Est-ce que tu as besoin de me demander? On va faire le feed. Voilà. On va faire le feed. C'est un petit problème. C'est obligé. Donc, featuring entre Getenvi et Sefri. C'est ça. Voilà. Et du loup, les gars. Oh. Vous connaissez notre force de femme. Mais c'est un privilège, hein? Oh, mais moi aussi. Vous savez que c'est vous qui, c'est grâce à vous que j'ai fait du micro pour toi. Beaucoup de pouces bleus. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Merci. Voilà, je peux partir maintenant. Ok, tu peux partir. Je passe dans ces filles, les gars. C'est quand même moi la star. Bye bye. Voilà, c'était tout.